Oui, bonjour. Vous vous appelez ? Isabelle. Isabelle. Enchantée, Isabelle. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 27 décembre 62. D'accord. De quelle région venez-vous ? Paris. Paris, ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Le côté sentimental. Le côté sentimental. Vous avez un prénom à me donner ? Du tout. Du tout, d'accord. Non. Donc, vous voulez savoir de quoi l'avenir sera fait, c'est ça ? Exactement. Ok. Vous allez vous concentrer sur vous-même. Vous allez vous visualiser toute seule, je dirais, entourée d'un espèce d'halo de lumière, d'accord ? Comme si vous étiez sur une pièce de théâtre. Et dès que vous vous voyez toute seule, vous me dites stop, s'il vous plaît. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 5. Le 14. Le 20. Le 7 et le 22. Vous avez connu quelqu'un qui s'est éloigné, qui est parti de votre vie, pas de manière très très élégante, je dirais, et en vous laissant avec beaucoup d'interrogations et un gros sentiment d'absurdité. Combien de tombé pile poil. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Alors. En même temps, cette personne qui est partie loin, je vous trouve excessivement lucide par rapport à lui, clairement, mais j'ai aussi le sentiment qu'au fond de vous, il reste des sentiments pour cette personne, malgré le fait qu'il ait été vraiment inélégant. On s'est quitté tellement dans une histoire, on s'est pas quitté du jour au lendemain, on s'est quitté tellement mal, quoi, que... on s'est pas quitté, on s'est fini, quoi. Il est parti, on devait faire un break et puis il est jamais revenu, quoi. Ouais, mais vous avez encore des sentiments pour lui, hein. Moi, j'ai le cœur complètement en éveil, hein, de votre côté. Donc, alors, il y a lui qui remonte. J'aimerais bien que vous me donniez son prénom, s'il vous plaît. Gilles, d'accord. Alors, il y a Gilles, d'un côté, et puis il y a aussi l'avenir qui s'annonce avec une nouvelle rencontre. Ah, mais je préférerais. Oui, je sais, parce que ça vous permettrait de basculer. Donc, ce qu'il y a, c'est que votre cœur, pour l'instant, est complètement en énergie sur Gilles. Ça, je le sens complètement. Il y a cette nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui est un véritable, je dirais... coup de cœur, mais coup de cœur passionnel. Attention. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous plaire énormément sous l'aspect physique, hein, d'accord ? Et qui peut vous entraîner de nouveau dans une passion. Donc vous êtes une femme de passion, hein, Isabelle. L'amour tendre, l'amour romantique, etc. Vous aimez bien, mais s'il n'y a pas de poivre et de piment avec, ça ne marche pas. Donc là, vous allez repartir de nouveau sur une nouvelle rencontre qui risque d'être quand même totalement passionnée. D'accord ? Oui. Il n'empêche que dans le cadre de cette rencontre qui arrive, donc je vous mets en garde quand même de pas trop vous brûler les ailes, vous allez de nouveau avoir des nouvelles de Gilles qui vont, ces nouvelles-là, vous laisser de nouveau dans l'impasse. Donc, vous entamez une nouvelle rencontre tout en ayant encore le cœur pris de l'autre côté. Parce que lui revient et vous, de nouveau, réalimente cette drôle de relation sans qu'il y ait possibilité de construction avec Gilles. Il n'y en aura jamais, hein. Non, c'est pas possible, de toute façon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un casse-gueule, cette histoire-là. C'est très beau, c'est très fort, mais c'est un casse-gueule. D'accord ? Donc, la nouvelle rencontre à venir. Par contre, passez l'étape de la construction, enfin de la passion, vous allez vers une construction possible. C'est un homme qui voyage. C'est un homme qui voyage, donc dans un premier temps très passionnel. Évitez de vous brûler les ailes, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, parce que vous êtes toujours très très instinctive et en même temps vous voyez tout en grand, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Vous, quand vous avez le cœur qui est pris, vous n'avez plus de limites, d'accord ? Non, c'est vrai, donc, j'aime beaucoup. Moi, on me parle de tempérance. Il faut mettre de la tempérance dans votre vie sentimentale, de la tempérance dans vos relations. Et si vous passez cette étape de passion, vous allez vers une construction et des voyages avec cette nouvelle personne. D'accord ?
D'accord. Voilà. Donc, un homme bien, passionné, beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup, beaucoup de déplacements. Personne dans sa vie, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui se traîne à un divorce, etc. Il a vécu par le passé, c'est sûr, hein, mais oui. Là, il est disponible. Quelqu'un qui met aussi beaucoup de priorités sur sa vie professionnelle, hein, qui voyage pas mal, ça n'empêchera pas les choses de se faire entre vous. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée, Isabelle. Moi aussi, et puis merci. Mais je vous en prie, à bientôt, merci. À bientôt, au revoir.